Dans ces rencontres, c'est pour faire mener une réflexion sur les activités que nous avons menées l'année dernière et se projeter sur les activités à venir de l'année 2019. Oui, pas, pour le moment, on n'a pas encore choisi un thème. Le thème viendra après les journées, la réflexion là. Les principales préoccupations des jeunes de Kanyaru et des populations de Kanyaru, c'est, comme vous l'avez dit, l'accès dans la zone. Nous avons une route chaotique. Nous avons des problèmes aussi sur le plan de la santé. On n'a pas un poste de santé bien équipé. Sur le plan de l'éducation, nous avons des problèmes. Nous avons un CM qui n'est pas bien loti. Ensuite, sur le plan de l'hydraulique, on manque d'eau. Et beaucoup de choses aussi nous manquent. Et c'est pourquoi chaque année, on se réunit pour réfléchir sur ces mots et trouver des solutions. Au sortir de nos journées culturelles 2018, nous sommes fixés comme objectif la finition du foyer socio-éducatif des jeunes de Kanyaru. Donc on s'est dit que chaque année, on doit prendre un projet, le finir avant d'attaquer d'autres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes, mais nous pensons que régler les problèmes un à un serait la meilleure des solutions. C'est pourquoi nous avons choisi pour le moment la finition des travaux du foyer des sociaux éducatifs de jeunes de Kanyaru. Et pour cela, vous avez besoin justement de lancer des appels. Oui, nous avons besoin de beaucoup d'aide. C'est vrai, nous avons entamé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses nous restent. Et nous sollicitons de la part des autorités et des bonnes volontés de l'aide pour que nous puissions finir les travaux. C'est à 50% terminé. Nous poursuivons tout cet élan. C'est vrai que l'année dernière, on a été un peu, on n'a pas pu le réaliser, faute d'organisation. Mais chaque année, nous le faisons et cette année, nous voulons le reproduire. Et dans ce sens, on ne s'arrête pas à ça. Parce qu'il y a d'autres projets liés à l'agriculture, le maraîchage. On veut se lancer dans le maraîchage, dans l'arboriculture. Et c'est toute une réflexion que nous sommes en train de mener.